Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chaos Games, je suis Kaoril et aujourd'hui on est reparti sur un petit zomboïdouné avec mes copains les zombies d'amour. Le programme du jour, je sais pas ce qui se passe, je me suis réveillé et j'ai eu une subite envie d'aller déposer une petite plainte contre ces zombies au commissariat de police et accessoirement en profiter pour looter quelques petits flingounets d'amour. Alors, qu'est-ce que je fais avec une banane dans ma poche, moi? C'est fascinant. Bon, ben ça, c'est vrai que je devais les jeter. Oh, ma salade, elle est presque vide. 21h20. Ben, on va aller demain au commissariat, en fait. Oui, parce qu'il faut du calme. On va y aller à la fraîche avant qu'il y ait trop de monde. Ça serait pas raisonnable, sinon. Fais dodo. Qu'est-ce qui se passe? 22h30, je suis angoissé. Ah là 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 là. Il a fait un cauchemar. Et pourquoi t'as fait le cauchemar? Pourquoi t'as fait le cauchemar? Il se passe rien chez toi, tout va bien. C'est quoi ce titre en même temps? Comment tu veux que les zombies montent? T'as une base tranquille, t'as un petit jardin sympathique, t'as fait un cauchemar, t'es soucieux sur les nerfs. Et agité en plus. Non, mais... Bon, tu voulais regarder la télé? Je sais pas moi. On va te faire manger, déjà ça va te mettre de bons poils. Ajoute le reste de banane. Voilà. Tu en manges la moitié. Il en reste un petit peu pour la route demain. Soucieux sur les nerfs. Bon, on va lire le journal. Ça va me calmer les nerfs. Ok. Ça a pas l'air très efficace. Ça a pas l'air très efficace. Qu'est-ce que j'aurais qui pourrait me calmer les nerfs? Un petit peu des vitamines avant d'aller se coucher, on va essayer d'éviter. Flacon de désinfectant et bon appétit. Ça me fait penser que je souhaitais aller vider l'armoire à pharmacie au rez-de-chaussée. Bah, ça va l'occuper vu qu'il veut pas aller se coucher. Il a fait un cauchemar. Alors, passe-partout. Youp là. Ah, tu vois, y'a personne. Qu'est-ce que tu t'angoisses? Ah là 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 là. Toutes les barricades vont bien et tout, y'a pas. Ah, non. L'angoisse chez ce bonhomme. Allez, prends-moi tout. prends-moi tout. Tac, 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 tac. Tout va bien, tout va bien. Formidable. On prend tout. Oh, t'as mal au dos, arrête un peu. Il reste un petit peu de place pour aller vider tout ce qu'on peut trouver là-dedans. Ouais, ça a l'air génial. Bon, bah ça fait déjà pas mal de choses, hein. Le reste, c'est les bêta bloquants. Le reste, je vais le laisser. Je ferai un autre tour une autre fois où il aura du mal à dormir. J'ai déjà pris des somnifères, ça risque de l'aider à trouver le sommeil. Allez, grappe à ta corde, espèce d'idiot. En tout cas, ça y a calmé les nerfs, cette petite expédition. Il a besoin de prendre l'air, en fait. Il a besoin de prendre le frais. Et le transfère-moi tout. Et chez Cortman Medical, c'est vraiment la foire au médoc. Hein. Si jamais vous faites une partie à Meldrow, c'est vraiment the place to be, quoi. Enfin, c'est mon avis. Hein. Si vous avez un autre avis, je vous laisse l'exprimer dans les commentaires. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Bon. Je passe la 2. Voilà. C'est que ça en fait des paquets de médocs quand même. Avec 15 plaques d'antidouleur, 9 tubes d'antidépresseurs, et ben, il y a de quoi tenir un siège. Ah, je peux pas dormir, il est pas fatigué. Ouais, mais minuit, ça commence à faire un peu tard pour aller au commissariat, là. On va peut-être se prendre un somnifère. Parce que...
C'est pas raisonnable sinon. C'est bon, t'as pris le cacheton. Il a dû prendre le cacheton. Pas fatigué. Bah, t'es pas fatigué, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est pas raisonnable, ça. Toujours pas. Ah ben, le somnifère fait pas effet. Bon. Et bah, dans ce cas, j'aurais tendance à dire qu'on va aller couper des arbres. Ah bah si, voilà. Morphée est venu le chercher. 3h30 ? Ça fait un peu tôt, mais bon. C'est tout, hein. C'est tout, on va y aller comme ça. Donc, je vais garder tous mes goodies de bricolage. Je vais... Non. Ah ! Le flingue, c'est bien beau de le prendre, mais finalement, si tu le chargeais... Ce serait pas plus mal. Voilà, ça te fait mal au dos. Ben oui, c'est comme ça. Recharge le flingue. Parfait. Et le reste des munitions, tu vas le mettre dans ton sac. Les clous, dans le sac à dos aussi. Quoique, qu'est-ce que je fais avec des clous, hein ? Je vais pas m'amuser à faire... du bricolage. Je vais quand même garder le matériel de soudure au cas où j'ai une petite envie de gagner des XP en cours de route si je tombe sur un grillage ou autre. Le vaporisateur il est plein, la bouteille d'eau elle est pleine, mais ça va, hein. Ça fait un peu double emploi. Le marteau, je vais le mettre là. Mon réveil pour savoir l'heure, ça sert toujours. Et bah c'est parti. C'est parti, 4h du matin. On va au commissariat parce que y en a marre un petit peu de ses voisins qui font du vacarme jour et nuit. Faut absolument que j'aille porter le paix, déposer une petite plainte, et aussi faire du ménage en cours de route, parce que j'en avais laissé pas mal de petits zombies là-haut, et ça va pas, quoi. Ça va pas. Donc je regarde la route pour aller au commissariat, ouais, je... C'est par là, tranquille. Toi, voilà. Une tête qui me revenait pas. Bah. Ah, mais il était solide. Ah oui, donc il y a un truc que je voulais voir, soi-disant qu'on peut relever le courrier dans les boîtes aux lettres et qu'on peut trouver... Ah ouais, journal. Incroyable, ça. Je vais peut-être ramasser les journaux s'ils continuent de s'angoisser comme ça toute la nuit. Je vais commencer à faire une consommation de journaux et autres joyeusetés. Non, il n'y a pas eu de courrier, lui. Lui, pas de courrier non plus. C'est un triste. Ben, les zombies sont partis je ne sais où, mais ils y sont partis. Donc tant mieux. Tant mieux. Petite maison de la survivance. C'est que... Oh, il y a du monde. Comment résister? Ah, il y a du peuple là-dedans quand même. Oh, la vache! La vache qui rit, quoi. Bon. Ah, il y a... Ouh, de la population dans le secteur. L'air de rien. Elle a bien giclouillé. Donc qu'est-ce qu'on a comme population là? On a des gens qui tambourinent, qui font des belles choses. Il y a des junkies ici, dont je vais m'occuper. Alors, toi tu restes couché, espèce de drogué. Voilà, reste au lit. Voilà. Mais ben, ils sont solides les zombies de nuit. Ils sont solides, qu'est-ce qu'il y avait? Fond de teint. Ouais, bah. Bon, elle se sauve. Si elle se sauve.
se barre par toutes les fenêtres en fait. Ouais, c'est un sacré foutoir à l'intérieur. Il y en a un qui tambourine à la porte, je vais m'en charger. Alors, bon. Il voulait le coup de tatane. Non. C'est que vous êtes en train de faire un barouf de tous les diables. Ah, y a vraiment beaucoup de monde à la porte. Voilà, c'était le but d'en faire venir un petit peu. Voilà. Oh, dis donc toi, coquinette. Coquinette, mistinguette. Voilà. Toi, tu veux pas rester couché, non? Ouais, pourtant. Voilà. Ok. Il en reste un petit peu, mais ça va mieux. Oh là là, il y en a vraiment partout. Il y en a vraiment partout. Entendre du bruit derrière moi comme un vieux zombie en train de s'approcher, mais ça va. Ah, j'aime pas ça quand ça fait pas le bruit. Voilà. Et il en reste que 4. Fiche le camp. Ah, je me suis fait griffer ou je ne sais quoi, j'ai entendu un bruit. Santé, égratigné. Ouh là 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 là. Fonce, on rentre à la maison. Même pas le temps de s'amuser avec les zombies. Et gratigner, ça devrait aller. Et ça va aussi me donner l'occasion de bouquiner à vitesse grand V le bouquin Premier soin pour les nuls. Aïe, j'ai mal joué. Mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Grimpe vite dans ta salle d'eau. Ta salle d'eau, tu vas voir, il y a plein de choses. Alors, désinfecter. Voilà. Et un petit bandage adhésif. C'est maintenant que tu te soignes que t'as mal, toi. T'es pas... Hein? C'est pas du mocage, ça. Bon, prends la pilule. Gloops, ça va mieux. Voilà, le bouquin. First aid for beginner. J'aurais peut-être dû le lire avant de faire l'andouille. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Accélérons un petit peu le temps de lecture. Waouh, comment ça se fait que ma vie continue de baisser comme c'est pas possible alors que... Il faut dire, faut manger. Arrête et mange. Il a mal. Ah. Talent. J'ai pas encore gagné les XP, j'en suis à quelle page? 17 bientôt. Il a mal, bah gobe le cacheton. Voilà. Et on va se préparer une petite salade quand même. Une petite saladounette. Et puisqu'il a déjà fini de digérer tout ce qu'il avait mangé. Tu vas ajouter de la banane. Voilà. Mange tout, fais-toi péter le bide. Nourri. Bon. Oh, banane pourrie. Ah ouais. Sympa, ça commence à pourrir dans mon frigo. Bon. Pourtant ça reste frais, je comprends pas. C'était quoi cette vieille banane qui traînait dans le fond de ma poche? Déjà, on va l'acheter, je sais pas moi, par terre. Ce serait pas mal. Et puis, on va ajouter de la banane fraîche. La santé, j'ai l'impression qu'il remonte un petit peu. Et encore de la banane. Voilà, c'est... Ah, elle est ennuyeuse maintenant, cette salade. C'est la salade banane aux bananes. Allez, premier secours. Ah, il est XP, il monte pas bien vite là-dedans.
Ok, il a fini de digérer déjà sa salade. Mangeons la moitié. Ok. Lis le bouquin. Il a déjà digéré, mais c'est pas possible. Bon, je commence à avoir un petit multiplicateur d'XP. Il est soucieux. Bon, arrête, 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 arrête. Va pas me dire que t'as chopé une vieille infection. Ne va pas me dire ça. Je ne te croirais pas. On va plutôt se faire une petite salade de choux-poireaux. On va ajouter du chou. Et on va rajouter du poivre. Parfait. On mange la moitié. Il se fait péter le bide, il a bien raison. Lis un journal. Parfait. Et qu'est-ce que je vais faire là-dedans, moi? Continue de lire le bouquin des premiers soins. Parce que tu en as bien besoin, l'ami. Il a déjà digéré. La blessure est toujours bandée. Petite blessure, donc la vie ne remonte pas trop. Je ne comprends pas. Mais bon. Comme ça, hein. Lis le bouquin. Oh zut de flûte, qu'est-ce qui a barbouillé, c'est pas bien grave. Qu'est-ce qui t'arrive, t'as quoi à ta blessure là? Qu'est-ce que je me suis fait griffer par le zombie périmé? On va enlever le bandage et redésinfecter. Et tu vas me remettre un bandage adhésif. Pourtant, j'ai rien mangé de pourri. La banane, elle était antidouleur. Prends la pilule. La banane périmée, enfin, je sais pas, il me disait que ça déprimait pas. Mange tout. Bon, bah, à la place d'un commissariat, je sens que ça va être rester à la maison le programme. Ça va être resté à la maison. J'ai combien de multiplicateurs? 0,6. On va peut-être le faire se reposer. Il a mal. Bon. Ouais, ça commence à sentir le pâté, cette affaire. C'est pas normal qu'il retrouve de la douleur aussi vite. C'est pas normal. Tiens, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Il veut plus faire à manger. Ah, poireau pourri. Ah, mais il était frais tout à l'heure. Là, il y a quelque chose qui va pas dans mon frigo. Tout était frais tout à l'heure et ça a pourri en 2 secondes dès que je l'ai mis dans ma poche. Ça me semble louche cette affaire quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble louche. Serait-ce un bug de cette bêta? Parce que je regarderai la vidéo après l'enregistrement, mais j'avais rien vu de pourri dans mon frigo. Et ça m'étonnerait que ça puisse passer de frais à pourri en un éclair. Alors est-ce que c'est quand on les met sur soi? Je sais pas. Non, tout est frais, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. Oui, ben prendre. Qu'est-ce que j'ai qui nourrit bien les ananas? Ça nourrit comme c'est pas possible. On va se garder les ananas dans la poche. Et on va se reposer. Il est soucieux sur les nerfs, je vais lui faire lire. Je vais prendre les journaux. Voilà, tu vas faire les mots croisés, ça va t'occuper. Et tu vas. Mais non, pas dormir. Il n'y a plus l'option se reposer. Non, d'accord.
D'accord. D'accord. Bon bah. Bon, la vie est déjà bien remontée, c'est déjà ça. Tu vas continuer de lire les premiers soins. Hein. Continue, l'ami. Je reste quand même très sur l'interrogative concernant ces aliments qui passent de frais à pourris. J'aurais plutôt eu dans l'idée que ça pourrisse pas en 30 secondes dans la poche quand même. Non, ils sont frais là, par exemple les ananas. J'ai un bug aussi à la préparation de salade puisque j'arrive plus à préparer de salade. Tofu frais. Là ça remarche. Ok, bon. Et par exemple là le maïs qui était frais est passé à pourri. Ok, bon. Et il va falloir vraiment que j'analyse tout ce qui se passe dans le frigo. Donc ça, on va le verser sur le sol. Parce que je vais pas manger un truc qui risque d'être périmé. Toutes les aubergines sont fraîches. Avocat frais, banane. Frais. Par exemple, banane fraîche. Si je me prépare une salade avec de la banane. Banane fraîche, ok. Là, ça marche. C'est très bizarre quand même. Très bizarre. Parce qu'il n'y avait pas marqué pourri dans le menu. Il n'y avait que du frais. On va rajouter des radis là-dedans. De la laitue. Bon. Je suis juste nourri. Laitue et choux. Bon appétit. Et là, le chou, par exemple, il n'y a plus marqué frais. Or, pourtant, il me marquait bien que c'était un chou frais. Je comprends plus. Oh, c'est pas sûr. Ouais, le chou, il fait s'ennuyer et il déprime. À mon avis, il est à moitié pourri. On va le jeter. On va pas prendre de risque. Verser sur le sol. Déjà, le pépère, il est soucieux. Dans le doute, je crois que je vais me contenter de manger mes ananas. Et je crois que... Oh bah tiens, on va manger du chocolat aussi. Le chocolat, c'est bon. Et on va se manger un petit peu de chips. Parce que voilà, hein. Y a que ça de vrai que de manger des chips. Bon, on va surveiller l'évolution de cette maladie. Ma jauge de vie est plutôt pas mal. Nausée, sympa. Sympa. Ah, bandage sale aussi, tiens. Donc, avant de se soigner, on va se manger. Il doit me rester un petit ananas dans le coin. Oui, mange-le. Enlever le bandage. Égratigner. On continue de désinfecter. On met le bandage adhésif. Tup. Blessure bandée, la vie est belle. Il a mal. Ça tombe bien, j'ai des antidouleurs. Prends les pilules. Alors. Soucieux, on va y faire lire un bouquin. J'ai pas pris les journaux.
Si, lis le journal, fais les mots croisés. Voilà. À peine nourri, bah mange des chips, hein. Mange des chips, l'ami, mange des chips. Et lis ton livre. Ça ne saura que te donner des bons XP qui pourraient peut-être te permettre de survivre. Antidouleur, prends les pilules. Nourris, tout va bien. Blessure bandée. Au niveau de la vie, je sais pas trop si c'est resté stable ou si ça est descendu un petit peu. Voilà. Je crois que je vais rester devant l'armoire à bouffe. Hein. Histoire de... Mange les chips. T'en as plus quoi savoir qu'en faire. Parce que là, ce frigo, avec ces aliments qui pourrissent dans ma poche, franchement, j'ai plus trop confiance... Lis le bouquin plutôt. Il est soucieux. Ah. Lis le journal alors. Et lis le bouquin. Et au niveau premier secours, malheureusement, même avec un multiplicateur, l'XP il monte pas bien vite. Hein. Il monte pas bien bien vite. Hein. À peine nourri, mais non. Est-ce que je prendrais la bouteille de whisky? Ouais, ça me semble être une bonne idée. Pour soigner la nausée. Elle est où? Où est mon whisky? Qu'est-ce qu'on a fait de mon whisky? Voilà. Bois-moi toute la boutanche. Voilà. Au moins comme ça, tu retrouves le sourire. Par contre, continue d'étudier ton livre, hein, c'est important. Je sais pas s'il livrait jouer avec la nausée. Comme ça, il aurait une bonne raison de vomir. À peine nourri. Ah. À peine nourri, bah, mange un paquet de chips, hein. Mange un paquet de chips. Nourri. Ah bah, remange-en un. Bien nourri. Voilà. Et la bouteille, je la fous par terre. Rien à foutre. Voilà. Toujours multiplicateur 1.2. On accélère un petit peu le temps pour voir comment les choses évoluent. On va se remanger un petit paquet de chips. Tout va bien. On va s'en manger un autre histoire de booster au max. Bien nourri. Très bien. Il y a moyen de se reposer là? Non, toujours dormir. Ah, je pourrais dormir. Ce serait peut-être l'idée qui serait la meilleure, vu que je suis bien nourri. Ok, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Ah, il veut même plus se réveiller. Fiévreux, grande chance de mourir. Ok, cool. Cool, 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 cool. Mange toutes les chips. On continue de s'empiffrer de chips. Bandage sale, bon, on va l'enlever. Toujours égratigné pourtant, pas infecté. On va refaire son bandage. Qu'est-ce qui se passe? Blessure légère. Douleur, oui. Là, j'avoue que j'ai un petit...
petit peu de mal à comprendre vraiment ce qui s'est passé. Parce qu'une blessure, c'est une blessure. Voilà, elle était même pas infectée. Tiens, je suis tout de suite allé me soigner. À peine nourri. Relis un livre. Déjà, quand le moral va, tout va. Walou. Je crois que je vais prendre tous les paquets de chips sûrement. Hein. Ah oui, mais forcément ça me met en surcharge. Ok. Qu'est-ce que je fais? Chips, hop là. 9. Ah ouais, c'est de pire en pire quoi. C'est de pire en pire. Voilà. Lourde charge, alors que j'ai mis ça dans le sac à dos. Aïe, 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 aïe. Ça sent la sapinette, sans que je ne comprenne vraiment pourquoi. Bien nourri, toujours lourde charge. 11-08, on va foutre le flingue par terre. Hein. On va tout jeter par terre. Ça ira mieux. Mange les chips. Blessure modérée, ouais, je veux bien. Je veux bien, mais... Premier secours nécessaire. Je veux bien, mais mon bandage est bien. Il n'y a pas à tortiller là. Je ne comprends pas. Je crois que ce frigo malicieux m'aura fait une blague. Ah, vous êtes trop repu. Bah, faut attendre. Hein. Il faut attendre, voir ce que ça donne. Au niveau de la blessure, ça dit quoi? Ça remonte, ça descend, on sait pas. Ça, j'ai l'impression que ma vie continue de descendre. J'en ai bien l'impression. Ah oui, ma vie descend. Ouais. Ouais. C'est inquiétant. C'est inquiétant, sachant que ma blessure est bandée. Normalement, tout va bien. Je suis très bien nourri. Et puis les chips, c'est pas vraiment ce qui va périmer, donc... Bon. Ça aurait été un bug du frigo qui va me faire mourir. C'est triste. C'est triste quand même. Blessure sévère, ouais. La vie descend. Et la vie descend. Bon. Là, malheureusement, je vois pas trop. Use on balance to improve eating. Et j'aimerais bien. Mais malheureusement, là, j'ai beau m'empiffrer comme c'est pas possible. Je ne comprends absolument pas qu'est-ce qui se passe et quoi faire. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre, là, malheureusement, je ne vois pas... Je peux même pas dormir, ni me reposer, ni quoi que ce soit. Alors... Continue de manger des chips. Il aura mangé 10 ou 15 paquets de chips dans la journée, c'est quand même... Ouais, blessure très sévère, je sais, mais j'aimerais bien faire quelque chose. J'aimerais bien.
Malheureusement, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Il n'y a pas grand-chose. Mettre mon dernier XP en protection, mais je ne pense pas que ça m'aide à grand-chose. Bum bum bum. Puis même si j'avais mangé quelque chose de périmé, j'aurais eu une bonne chiasse quoi, mais quand même. Quand même. Une banane un peu trop faite, ça tue pas un bonhomme. Bon. Parce que là, le problème, c'est que si je prends des somnifères pour dormir, je pourrais plus me nourrir, donc la perte de vie va s'accélérer de façon dramatique. Eh oui. Tra, la vie continue de descendre. C'est terrible, ça. C'est terrible, c'est terrible. Ouais, elle descend. Lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Oh, je commence même à être en surcharge tellement. Tellement c'est terrible. Je peux pas t'alléger plus, la pépère. Soucieux. Oh, et puis j'ai même plus un journal dans la poche. Prends les livres sur toi. Voilà. Lis le bouquin. Et mange des chips. Blessure grave. Ouais, mais. Je veux bien ce que tu veux, moi, mais là. Là, il y a malheureusement des choses qui ont du mal à être expliquées. Ou alors, j'ai pas vu que c'était pourri dans le frigo, mais enfin, ça me semble bizarre. Est-ce que j'avais vérifié? Tout était marqué frais, donc non, je sais pas, je revisionnerai ça. Ça me semble quand même louche. Mais bon. Mais bon, mais bon. Continuer de pousser le vice en mangeant des chips pour rester bien nourri au maximum et en regardant la vie descendre inexorablement. Et voilà, je viens de reperdre un petit pixel de vie. Il veut toujours pas dormir. Chips. Cette nausée va bien finir par passer quand même. Cette fièvre. Et puis il n'y a aucun médicament qui pourrait aider avec cet état, malheureusement. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage dans le jeu de ne pas avoir de médoc pour soigner la. Enfin.
soigner la nausée, tout ça, enfin des antibios qui pourraient aider, ou je sais pas. On trouve que les antidouleurs, les bêta-bloquants, tout ça. Alors que pourtant, même si les antibiotiques c'est pas automatique, on en a tous plein nos armoires à pharmacie, hein. La nuit s'annonce difficile, je veux bien le croire. Mais... bon. Blessure hautement critique. Aïe aïe aïe. C'est pire que tout. Tiens, non, je peux plus manger. Je suis à la limite de l'écœurement. Oi, 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 oi. La vie plonge à une vitesse là, ça y est. C'est la fin. Et je suis pressé de revisionner cette vidéo pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec ce frigo, parce que là, je reste dans l'expectative. Bon, et ben cette saison aura été assez courte, et j'en suis désolé. Là, je pense être victime d'un bug de la bêta, je ne sais pas. Bug d'affichage, peut-être. Bon, et ben ça donnera l'occasion de se refaire une autre saison dans un autre mode de jeu que la première semaine. Et j'espère que cet épisode un peu long et un petit peu ennuyeux vous aura quand même plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle saison de Zomboid. Allez, je vous fais des bisous, salut !